Mais je crois, voilà, c'est-à-dire que si je ne vis pas dans la vie ces moments-là avec les acteurs, je ne peux pas les filmer. Ça, c'est clair. Alors, le travail avec les non-professionnels, c'est extraordinaire parce que justement, c'est construit là-dessus. Il n'y a que ça, puisqu'il y a pas, ils n'ont jamais joué. Tout est complètement à découvrir sans arrêt. Et ces moments de révélation, de vérité, enfin de vérité, oui, sont vraiment ce par quoi je prends les décisions d'un tel, d'une telle, et ensuite la mémoire de ça, même la mémoire physique est sensible de ça et guide sans arrêt le travail après. Mais avec les acteurs professionnels, il se passe la même chose. Le moment où je sais que c'est telle ou telle personne, il y a quelque chose du film qui s'incarne là, à ce moment-là. Et on travaille avec ça. Alors par rapport justement disons, alors par rapport à tout, aux policiers, à la police, à la répression, enfin à cette force menaçante qui est en face de là aussi on sent une idée de rester dans une forme un peu atonale des choses. Il y a une présence, mais c'est cette présence avant tout que vous allez chercher à rendre avant de l'expliciter plus par des mots, par des insultes, par des gestes, des attitudes. Et ça aussi, c'était important. Est-ce que cette réflexion-là, justement, par rapport à... Enfin, j'aimerais que vous Très vite, on a décidé, enfin, très vite, on a parlé que ce seraient des acteurs, justement. Les policiers seraient acteurs. Donc, ce sont des acteurs. Tous sont les des policiers acteurs. Sont la plupart. Et quelles sont les consignes alors que vous leur avez... Pas joué. Voilà, pas jouer, ça c'est évident. C'est un message qu'ils entendent, qu'ils arrivent Oui, à comprendre. beaucoup d'autres. Pas jouer, c'est facile quand ça parle pas. Ce qui est difficile, ce qui est difficile, c'est de filmer quelqu'un parler. Le baromètre, enfin, je veux dire, la justesse d'un film, c'est vraiment comment filmer un corps qui parle. Enfin, ouais. Parce que ça, c'est filmer un corps silencieux, ça va, mais un corps qui parle. Et la plupart du temps, les policiers, j'ai vraiment fait attention à ceux qui parlent et ceux qui parlent pas. Ceux qui parlent, il fallait qu'ils soient justes, c'est-à-dire qu'ils soient. En fait, ça va revenir un peu à Bresson, là, parce que c'est l'idée de. Il y a une présence qui hante la première partie du film, c'est la mission. La mission quasiment mystique de la police. Je voulais que eux restent un peu abstraits. C'est-à-dire, je voulais que l'abstraction, effectivement, de la mission, qui est très concrète, hein, abstrait, concret, c'est très proche, ne soit pas alourdie par l'image, ne soit pas alourdie par une volonté de mise en scène. Par exemple, dans certains films, on voit enfin, c'est tellement clair, la police et parle de cette manière, bouge de cette manière. Alors, il y a toujours le flic assez humain au fond, qui fait un travail un peu dégueulasse, mais bon, il est humain. Puis il y a le cynique, et puis il y a celui qui a des problèmes de conscience, et puis il y a celui qui... Aucune psychologie, c'est la mission qui compte, et la mission, elle s'accomplit à travers un corps collectif qui est ces policiers. Et j'ai choisi chacun, je sais que j'ai demandé des accents du Sud, pour que l'humanité passe dans l'accent. Un peu, tu vois, l'idée du stagiaire qui arrive à Paris et qui se retrouve là-dedans, sans du tout l'expliciter, mais simplement que cette mission collective qui traverse les corps, traverse différemment chacun, mais que c'est avant tout cette mission que je filme. Donc ne pas alourdir avec du naturalisme ou trop de réalisme, donc enlever beaucoup de choses pour que cette présence soit sans arrêt à l'œuvre, parce qu'elle est beaucoup plus implacable On sent plus un système qu'un raciste policier ou que de sentir un policier raciste. que ça, Voilà. voilà, Ça c'est devient pour. individuel et alors que c'est un système. Ils se retrouvent face à un système. Ils sont plus en face de personnes. Ils sont en face de personnes qui ont un certain nombre d'ordres, une mission très très simple à accomplir, qui est de faire signer un papier, retour expéditif, le commando, voilà. Donc ils sont
c'était beaucoup plus que de montrer des individus qui auraient tout à coup, accidentellement, auraient une attitude raciste. Ils ne sont pas, pour nous, ils n'étaient pas racistes. On ne se pose pas la question. On se posait pas la question. Est-ce qu'il y a eu une difficulté dans la gestion de la reconstitution de cet aspect avec justement des individus non professionnels qui ont vécu aussi Non, parce que, encore une fois, je veux dire que le temps qu'on a passé ensemble a fait que toutes ces questions-là étaient évacuées et que assez rapidement, on sentait qu'on faisait ensemble un film avec tout ce que ça veut dire, de très concret. Et moi, je suis encore très admiratif de la manière avec laquelle ils ont été dans le cadre, parce que ils n'ont jamais pris le cadre en otage avec leurs problématiques personnelles. En revanche, ils ont sans arrêt délivré leur intimité dans le cadre. Donc c'est assez... Parce que on prend un mode de jeu à l'américaine, certains acteurs qui se répandent, d'ailleurs on aime beaucoup ça, De Niro, il y a plein de gens qui prennent tout de suite en otage le spectateur, avec des choses qu'on aime bien, enfin je critique pas du tout, simplement c'est vraiment l'envers de ça, quoi. C'est pas prendre le spectateur en otage, mais installer un rapport avec lui, quasiment... télépathique, quoi, qui passe par le regard, par l'écoute, par la présence, par le silence. Et voilà, c'est nous-mêmes arrivés à voir avec autre chose que simplement nos yeux. À un moment donné, c'est ça aussi. Il y a une pensée qui est à l'œuvre dans le film, et c'est la pensée qui génère un mode de regard. C'est pas le regard posé en comme sens, le sens supérieur à tous les autres sens. Le regard est l'effet d'une pensée, qui est une pensée de cinéma avant tout, quoi. Le choix des personnes qui jouent dans la brigade d'intervention polyvalente, qui sont donc ceux qui sont habillés en noir, gantés, qui sont une fonction bien spéciale, qui est de ramener le groupe à l'avion. Il y en a beaucoup qui sont rugbyman. Donc on est allé dans des clubs de rugby et on a fait j'ai travaillé avec l'assistante du casting pour en rencontrer beaucoup. Et donc on parlait beaucoup avec eux, de l'étranger, des Africains. Et donc dans une conversation comme ça, on entendait bien celui qui pouvait avoir des réactions, une pensée qui peut-être n'était pas très claire. Et bien évidemment, on ne les choisissait pas. Ça a pris du temps à choisir ces personnes-là. Ça a pris du temps à travailler ensuite avec eux. Et pourquoi des rugbyman d'abord? Parce que toutes les descriptions que nous ont fait les demandeurs d'asile nous disaient que c'était des gens très, très forts, très, très sportifs, qui même exhibaient leurs muscles devant eux pour les impressionner. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas n'importe qui pour cette mission. On choisit bien évidemment des personnes très impressionnantes physiquement. Et donc ils font 1m90, 2 mètres de haut et ils sont très forts. Et si ça s'est bien passé pendant le tournage, entre les Africains qui avaient vécu certains, qui avaient enduré cette violence, et les rugbyman et quelques acteurs aussi parmi eux qui étaient là, c'est qu'ils se sont beaucoup rencontrés avant, beaucoup discuté ensemble, beaucoup parlé de la scène et beaucoup répété la scène. Avant même le tournage, un mois avant, ils se sont... Et voilà, donc comment je vais faire pour ne pas te faire mal, comment, et en plus, un rugbyman sait très bien plaquer quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est son... ils avaient une façon, quand les Africains, dans le couloir, quand Blandine court en disant « je demande l'asile » et qu'il y en a qui font le sens contraire et qui sont plaqués par la brigade d'intervention, ils savaient les arrêter dans la force, sans qu'il y ait de danger. Donc ça aussi, mais ils avaient un état d'esprit déjà très ouvert. Ils étaient vraiment très heureux de faire ce film. Donc c'est pas non plus un hasard, c'est vraiment des personnes qui ont été choisies pour ce... Et à la fin de chaque prise,
c'était beaucoup d'embrassades, ça s'est bien passé, je t'ai pas fait mal, on riait beaucoup parce que ça faisait énormément rire. Et on peut penser qu'effectivement cette scène qui est très violente dans le film est une scène très joyeuse au tournage. Très joyeuse, ça a l'air étrange de dire ça, mais il y avait un besoin de rire, d'éclater de la situation, autant du côté des Africains que du côté de la brigade, pour sortir la dureté de la situation. Je voudrais en venir à l'évolution du film, parce qu'on sent quand même deux parties dans le film. Et Nicolas, tu parlais justement aussi de l'effet avant la cause, qui est d'ailleurs aussi un argument très bressonien, et qui induit d'ailleurs aussi de manière systématique le mystère. Et la deuxième partie du film aboutit à ça. À la fois, il y a une forme de distanciation, quand même, une certaine forme de distanciation, et en même temps, on arrive dans un autre univers tout en étant dans le même. Je voudrais juste que tu explicites cette deuxième partie, c'est disons cette transition pour arriver jusqu'à finalement cette route aussi parcourue. Ouais, c'est les trois parties du film. Disons qu'il y a passage de frontière entre Roissy et le squat. On passe d'une zone de clandestinité à une autre. Sauf que dans la première, ils sont extrêmement exposés physiquement. Et frappé, et humilié, et pris dans les rouages d'une machine administrative, et que dans la seconde, c'est également un temps de guerre. Il y a le temps, on ne passe pas, c'est la même guerre, c'est la même épreuve. Sauf que ce qui m'intéressait dans la deuxième partie, c'était travailler sur la résistance à la durée et l'épuisement. C'est-à-dire que l'épuisement que c'est que d'attendre sans avoir le droit de travailler, sans avoir même été invité à sortir, en ayant peur de sortir. Donc c'est un endroit clos dans lequel entre eux, ils résistent et la vie circule comme elle peut. Et peu à peu, cette vie circulant comme elle peut, régénère Blandine, c'est-à-dire qu'on filme le retour à la vie de Blandine dans ce lieu-là, sauf que ça passe par l'épuisement. Et l'épuisement, c'est autant un épuisement physique qu'un épuisement du récit. C'est-à-dire que pour faire sentir que ça s'épuise et qu'elle ne peut plus continuer comme ça, à un moment donné, il fallait que le récit s'épuise également. Qu'on se demande à un moment donné si même il y a encore un récit. Et qu'on se dit, on flotte. Mais en fait, est à l'œuvre quelque chose de très profond à ce moment-là, puisqu'elle prend la parole. Son papy lui dit, il faut que tu sortes, les machines vont venir démolir. Elle ne peut plus, elle arrive au fond du fond, quoi, là. Et elle prend la parole, et en prenant la parole, tout se remet en place, et le récit peut reprendre. Elle sort, il marche dans les cerises, elle sourit, puis voilà. Et puis, c'est cet épuisement quoi, que je trouve vraiment intéressant. Et j'ai dû supprimer certaines scènes qu'Elisabeth avait écrites, qui étaient trop narratives à mon avis pour ce moment-là, pour justement faire flotter le temps et qu'on sache plus où on en est. Et on ne sait pas combien de temps d'ailleurs ils sont restés elle est restée dans ce squat. Ça peut être 10 jours, comme ça peut être 6 mois, on n'en sait rien, comme ça peut être 2 jours. Volontairement, le temps là est totalement un temps subjectif, intérieur, mais c'est un temps de guerre. C'était ça, j'ai jamais voulu perdre cette idée qu'ils sont menacés. Simplement, il y a une espèce d'accalmie comme ça, qui fait que la menace, elle est plus intérieure. C'est que c'est la dépression. C'est-à-dire que c'est d'où aussi Joy Division, quoi, ce choix-là, quoi. Pour trouver justement, pour qu'à un moment donné, la vie chasse la mort. Parce que ce qui est beau dans le film, à mon avis, c'est vraiment le récit d'un retour à la vie de Blandine. Et puis la dernière partie, bon, ben ça, c'est la route, c'est la blessure. C'est cette blessure que l'on voit à ce moment-là, et ce récit qui est l'origine même du film, et c'est à la fois ce qui lui a donné naissance et à la fois ce qui le prolonge. C'est peut-être avant le film, c'est peut-être
Je veux dire que c'est le film se referme pas, la blessure non plus. C'est ça le chemin à la fin. Un dernier mot juste sur un peu la qualité, bon, enfin, par rapport à la situation d'Adama, parce qu'il y a quand même aussi quelque chose qui fait que... Qu'est-ce qui se passe avec Adama ? Ben j'attends. J'attends là qu'on me dise... Juste pour qu'on comprenne, Adama a été... Oui, le rôle, oui, il a été gardien. C'est le rôle de Papy ? Qui joue Papy, oui, qui était demandeur d'asile, ça fait 4 ans hein, qu'il attend. Et il a, en novembre, pour une raison assez compliquée, il a été rejeté, sa demande a été rejetée. Donc depuis novembre, il n'a plus le récépissé du demandeur d'asile. Donc il est illégalement, entre guillemets, sur le territoire français du point de vue de la police. Donc bon, bah, Papy, tout simplement, en arrivant en gare du Nord... Pour venir à Paris, il y a 3 flics en civil qui l'ont abordé, qui lui ont demandé ses papiers, pas de papiers, donc garde à vue. Centre de rétention de Vincennes, centre de rétention de Vincennes, passage devant un premier juge au palais de justice, procédure, mesure d'expulsion immédiate. Quoi. Il y a une procédure d'expulsion immédiate qui a été demandée par la préfecture de police à son égard. Il est passé vendredi dernier au palais de justice, mais comme il n'a pas de passeport, ils n'ont pas voulu écouter entrer dans le débat, parce qu'il a une avocate qui s'occupe de lui et ils n'ont absolument pas voulu écouter quoi que ce soit. Ah, il n'a pas de passeport, il n'a pas de passeport, il est expulsé. Et le lendemain, présentation devant le tribunal administratif de Paris, où la magistrate a une petite marge de manœuvre. Donc on est venu à 5-6 du film, on a organisé un dossier qui explique qu'il est le rôle principal d'un film, qu'il est attendu dans une trentaine de cinémas à travers la France pour un débat... sur la demande d'asile, qu'il a été à Cannes l'année dernière et que dans ce cadre-là, il a rencontré le ministre de la Culture. Et l'avocat de la préfecture a ironisé sur ce fait-là en disant « s'il a rencontré le ministre de la Culture, le ministre de la Culture n'a qu'à téléphoner pour interrompre la procédure d'expulsion », ce qui est quand même assez léger. Mais je crois que voilà, j'ai appris hier que la préfecture avait repéré que c'était un dossier un peu sensible. Donc, ils étaient en train de l'étudier hier, et l'avocate, j'attends des réponses là. Il y a d'assez grandes chances, je pense, qu'on le libère, ce qui lui permettra de recommencer à essayer de légaliser sa situation ici. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe. Ils sont 150 en ce moment en zone de rétention. Et ils ont commencé une grève de la faim depuis 2 jours. Et quand ils ont annoncé donc à la direction de la rétention qu'ils allaient commencer une grève de la faim, eh bien, les policiers leur ont dit « Eh bien, alors nous, on va vous interdire la télévision. » Mais ce qui m'a choqué, moi, dans cette histoire de tribunal, c'est que j'ai vu, de mes yeux vus, comme on dit, que la justice s'est organisée, et il n'y a pas à tergiverser à ça, c'est une machine organisée par des Blancs pour expulser des Noirs. Et ça, il n'y a rien à faire, c'est quelque chose d'extrêmement choquant. Il n'y a aucun débat sur cette question-là, il n'y a que de la propagande et que des idées toutes faites. Et il ne faut pas se raconter d'histoire. La colonisation, il y a une longue histoire en France, et c'est le prolongement aujourd'hui, de nos jours, devant nos yeux, de la colonisation. Et je crois que là, on parle de l'Europe et oui, non, par rapport à la Constitution. Une Constitution qui permet ça, pour moi, c'est une faillite absolue de la démocratie. Donc pour moi, c'est la preuve même qu'on est complètement archaïque et qu'on n'a aucun désir véritable de se poser des vraies questions concernant la démocratie. C'est une espèce je sais pas quoi, de choses très light, une version très soft d'une démocratie. Il n'y a aucun débat en ce moment sur cette question du qu'est-ce que c'est qu'une machine de blanc qui expulse des noirs en Afrique
où on sait le nombre de morts qu'il y a par jour, pour toutes sortes de raisons, on est complètement arriéré, complètement. Oui,